Dans cette vidéo, nous allons voir comment jouer de façon progressive le célèbre standard de jazz Just Friends. On va apprendre une version avec uniquement à la main gauche la note de base de l'accord qui va être jouée, et puis à la main droite la mélodie en clé de sol. Je vais vous décomposer tout ça de façon très progressive. C'est accessible aux débutants. Et puis après, on va voir une version un peu plus avancée dans laquelle on va jouer les accords à la main gauche, et ces accords, on va les jouer de façon un peu jazz, ce qui nous fera faire un peu d'harmonie en plus, eh bien, d'apprendre le morceau. Pour bien commencer ce tutoriel, sachez que vous pouvez télécharger en description les aides-mémoires des accords de ce morceau, ainsi que une partition vierge sur laquelle vous pourrez eh bien, recopier le morceau qui s'affiche. Ça vous fait un peu de prise de notes musicale. Et avec ça, vous avez une formation offerte eh bien, qui vous apprendra à jouer les partitions sous ce format, les partitions type lead sheet avec les accords plus la clé de sol. C'est un format de partition qui est très utilisé aux États-Unis, chez les anglo-saxons. Vous aurez tous les éléments dans cette formation. Regardons les quatre premières mesures. Nous allons avoir un sol qui va être joué avec le pouce. Et après un do avec le petit doigt. Le do, on va le jouer pendant deux mesures. Après, il va y avoir un do mineur qui va s'afficher. On va encore jouer le do à la basse. Okay? Donc ça va nous faire. Et après, on va avoir un fa que l'on va jouer comme ça. Donc on va s'entraîner à isoler la main gauche et faire donc. Ceci. La main droite va faire donc comme ceci avec l'annulaire. Si, si. Après un petit balancier, la, si, la, et après mi bémol. Comme ceci. Si on le combine à la main gauche, ça va faire. Bémol, on réappuie sur le do. Après, quand on joue le la, on va jouer le fa à la main gauche. Je le refais. Le sol arrive. De cette manière, on va voir ce qu'on va faire les quatre autres prochaines mesures. La main gauche va faire sol, sol, si bémol, mi bémol. Ok ? Sol, sol, avec le pouce, si bémol, mi bémol. Je vais faire la main droite, avec le petit doigt, la, la, sol, ré bémol. Ok ? La, sol, ré bémol. Donc, on va avoir ceci, si on combine la main gauche et la main droite. Les quatre mesures suivantes, on va avoir à la main gauche, à jouer le La, le Ré, le Si bémol et le Mi bémol. Do numéro 1, Do numéro 5, Do numéro 1, Do numéro 5. On a ce mouvement de balancier, boum, boum, boum. Et ensuite, à la main droite, on va avoir Sol, Mi, Fa dièse. Le Fa est dièse, attention. Sol, Mi, Fa dièse. Après, nous avons fa, ré, mi, fa, sol, si, mi. On refait. Fa, ré, mi, fa, sol, si. Ensuite, si on met les mains ensemble, on va avoir ça. Okay. On le refait. Après, les quatre dernières mesures, la main gauche va faire la, la, ré, ré bémol, ok ? La, la, ré, ré bémol. Donc, la main droite va ensuite faire mi, si. On peut le faire avec le troisième doigt plutôt. Au doigt numéro 5 ici, doigt numéro 3, mi, si. Mi, fa, sol, si, et la, si. Si on met les mains ensemble, ça donne ça. Mais
Maintenant, nous allons passer à la version en jouant les accords jazz à la main droite. Mais avant toute chose, sachez que si vous souhaitez accélérer votre apprentissage au piano, si vous voulez accélérer vos automatismes de lecture pour pouvoir jouer par exemple ce magnifique standard de jazz à vue, eh bien il y a ma classe de piano en ligne dans laquelle je donne des cours individualisés en visio et dans laquelle vous avez accès à un logiciel que j'ai conçu avec mon associé, un logiciel de défilement qui vous permettra d'acquérir les automatismes progressivement pour pouvoir par la suite improviser, comprendre l'harmonie, jouer des partitions à vue, travailler votre oreille pour pouvoir jouer du piano à l'oreille, et puis travailler votre oreille avec la méthode des intervalles et la méthode des degrés. Voilà, c'est un peu plus rare de trouver ce genre de pédagogie. Toutes les informations, eh bien, elles sont en description si vous êtes intéressé par ma classe de piano. Le premier accord que nous allons jouer à la main droite, ça va être un sol 7 que nous allons jouer de cette manière. Alors, nous allons, au lieu de jouer l'accord de sol 7 de cette manière, eh bien nous allons augmenter la quinte, et nous allons enlever la fondamentale. Voilà. Quinte augmentée, septième tierce, à la main gauche, pour jouer l'accord sol 7. C'est un accord comme en jazz, ensuite. L'accord de do majeur, on va le faire de cette façon. On va jouer la tierce, on va jouer la sixte, on va jouer la neuvième, ce qu'on appelle un empilement de cartes par rapport à l'accord de do majeur. Ensuite, on va jouer le do mineur 7 de cette façon. On va jouer une fondamentale ici et un si bémol ici. Okay ? Et on va jouer un mi bémol à la mélodie. En fait, on va enlever, pour notre accord de do mineur 7, on va enlever la tierce mineure parce qu'on la joue à la mélodie et puis on va enlever la quinte. Ça allège un petit peu l'harmonie. Le fa 7, je jouerais bien comme ceci. En fait, je rajouterai une bémol 9, c'est-à-dire un sol bémol. Au lieu de jouer mon fa comme ceci, mon fa 7, eh bien je vais... Soit on peut dire que j'augmente la fondamentale, soit j'abaisse la neuvième. Et après, j'arrive sur un sol majeur, comme ceci. Alors, le sol majeur, normalement, il se joue comme ceci. Comme ceci, hein, mais si on le renverse, il est comme ceci. Et je rajoute une neuvième. C'est commun de rajouter les neuvièmes en jazz. Et ensuite, si bémol mineur 7, je vais le jouer de cette manière. Si bémol mineur 7, il se joue comme ceci normalement. Mais vu que j'ai le ré bémol à la mélodie, ben, je vais pouvoir enlever le ré bémol ici. Et je vais aussi enlever le fa, c'est assez commun. C'est ce qu'on avait fait avec l'accord de do mineur 7 juste au-dessus. On fait la même chose avec le mi bémol 7 qui arrive, plus haut. C'est-à-dire que je vais jouer une fondamentale et une septième. Au lieu de jouer mon accord de mi bémol de dominante mi bémol 7 de cette manière, j'enlève la tierce, j'enlève la quinte. La tierce est à la mélodie. Un la mineur 7 arrive. Je joue de cette façon. C'est-à-dire que la mineur 7, normalement, on le joue comme ceci, mais je vais rajouter une neuvième. Je vais enlever peut-être ce qu'il y a au pouce, le mi au pouce. Je vais jouer juste ce groupement de notes qui s'agglutinent, ce cluster, ce qu'on appelle. Le ré 7 arrive, donc au lieu de faire le ré 7 de cette manière, j'enlève la tierce, j'enlève la quinte, parce que la tierce est à la mélodie, comme pour les accords que nous avons vus précédemment. Après, le si bémol mineur, on va le jouer de cette façon aussi. Au lieu de le jouer en entier, on enlève la tierce, on enlève la quinte, et la quinte et la tierce sont à la mélodie. Ré, fa, ré, fa, ré. Après, nous avons un accord de mi mineur 7. Alors, l'accord de mi mineur 7, on va enlever la fondamentale, on va rajouter la neuvième, on va se retrouver avec un cluster sur neuvième d'un accord mineur, donc ici de mi mineur. Comme ceci. Et après, le la 7, on va le jouer de cette manière. Au lieu de le jouer comme ceci, normalement il est comme ceci, en troisième renversement, on a cela, eh bien, je vais enlever notre fondamentale et je vais augmenter la quinte. On avait joué le sol 7 de cette manière, sur la mesure numéro 1, rappelez-vous.
Après, quand la mélodie descend un peu, on enlève le pouce. Et après, on arrive sur un La mineur 7 que l'on va jouer de cette façon, en cluster, comme ce que nous avons eu, mesure 9. Quand le Ré arrive, on va jouer ces notes-là. Pourquoi ? Normalement, le Ré 7, il se joue de cette façon. Je vais lui ajouter une bémol 9, je vais enlever la quinte, et nous avons cette forme. Un accord bémol 9 de Ré 7. Et après, quand le Ré bémol 7 arrive, j'ai juste à baisser le Fa dièse et le Do. Ouf, et ça tombe de cette façon. Et voilà. Après, ça reprend. Donc, si vous voulez le faire à deux mains comme ceci, n'oubliez pas, il y a ma classe de piano en ligne, on peut aller beaucoup plus loin, voilà, en accompagnement individualisé, puis avec les outils que je propose dans la classe de piano. Si vous voulez jouer un autre standard, eh bien, je vous renvoie vers celui qui s'affiche.